En fait, oui, j'aurais pu vous faire découvrir un truc en 1, mais ça aurait servi à rien. Hein. Mais là, je ne vois même pas un seul mot en rapport avec tectonique, JD. Épaule, peut-être. Ouais. Petit jeu. En fait, en gros, danse, c'est ça servait à rien. Ah. Voilà, merci. Et en fait, ça, j'allais pas mettre genre O en 2, ça servait à rien. On n'a pas de choix. Ça avait une, on n'a pas de choix. Une majorité de couleurs vert, enfin c'était dominant. Oui, de un peu vert et rose. Ouais, merci. Et oui, il y avait beaucoup de roses et Neil tout. Neil Armstrong, surtout de la bombe. C'était le premier à faire de la tectonique sur la Lune. Ouais, le truc, c'est que c'est de la bombe. Bien sûr. Ah ouais, mais c'est vert et rose. Le problème, c'est que ça nous ferait un trop là, ça en fait 6. Ah, astronaute et Nyon, ça va être compliqué. Des tectoniques au théâtre. Les plaques tectoniques. Tu pouvais tenter un 2-3 et espérer que les autres se trompent. Non, mais c'est sûr qu'ils vont pas se tromper. La tectonique, ça me fait plus penser au. En fait, c'est sûr qu'ils vont pas se tromper. Parce que épaules, déjà, ils l'ont. Épaules, ils l'ont déjà. Il y a même pas besoin de dire un mot, ils ont épaules vu qu'ils ont raté matière. Membre. Du coup, il reste que pièces quoi. Épaules. Tu mets viande, t'as épaules et pièces, tu vois, ou quoi que barbecue. Mais non, mais attends, eux, ils hésitaient entre épaules et un autre. Ils sont à donf. Oui, en vrai, et c'est du dur. Et du coup, MV avait par dit. Par contre, je sais pas pourquoi Noël. Au pire, on leur donnera un mot. Ah bah oui, donc oui, c'est des membres. Merci Sinis pour le quatrième mois. Merci Théo pour le troisième mois aussi. Merci beaucoup. Oui, donc on a eu Théo Gax aussi pour le deuxième mois. Merci. Peut-être qu'ils se sont bourrés sur les deux, c'est possible aussi. Par contre, je comprends pas Noël. Attends, c'était quoi que. C'était. Alors attends. Jean Castex avait fait deviner Ven. C'est ça, hein. Non. C'est MV qui a fait deviner Biceps. Et Jean Castex a voté Ven, c'était bon. Attends, Biceps. Est-ce que ça aurait pu être un autre truc pour Biceps? Moi, je vois pas trop, hein. Ah, sachant qu'il nous avait dit facteur et on avait hésité avec. Est-ce qu'on peut bomber ses biceps, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Oui. Ah, donc là, il en est au niveau de méta où il essaye de pour le biceps, facteur d'avant. Ah ouais. Ouais. Il essaye de deviner nos mots avant. Bah oui. Mais en même temps, c'est la seule façon qu'on aurait de peut-être gagner, quoi. La strat. Oh, Ultia, pardon, je te laisse. Désolé, je t'ai beaucoup. Je disais facteur. Non, c'est pas grave. Facteur, il voulait nous le faire deviner. Du coup, il y avait peut-être Noël. Et il y avait O aussi, et il reste crête pour O. Ouais, bah en vrai. Et pour tectonique aussi, crête. En vrai, crête, c'est celui qui te paraît le plus optique. Ouais. Allez, go, crête. Go. Okay. Bon, facteur, est-ce qu'on aurait raté. Qu'est-ce qu'on peut avoir raté. Facteur, ça peut être quoi d'autre que Noël. Je regarde, hein, mais. Ouais, mais facteur. Dans ma tête, ça peut être absolument. Rien d'autre que Noël. Il n'y a pas une œuvre de fiction où les facteurs c'est des nains ou un truc comme c'est ça. C'est un membre de la Poste. Ponce, il mettra jamais un truc comme ça. Une œuvre de fiction une... où les facteurs oui, sûr, c'est des nains. Si un auteur, si un auteur a envie de se faire des couilles en or, les gars. Voltaire en avait. Non mais les trucs un peu fantastiques à la con, il y aurait trop eu moyen que. C'est pas genre, c'est... ça s'appelle pas Bezos et les Minimoys. Bon, Noël, matière. Comme tu veux, comme tu épaule, veux. Épaule, rose. Mais épaule, je trouve ça chelou. Mmh. Putain, j'aurais rêvé d'un monde. Ah oui, non, pas épaule. Noël, du il aurait coup. Dit ma mère. Noël. Ma mère. Vas-y, si tu veux, on valide Noël. Je vois rien d'autre pour le facteur, donc. Ah putain. Oh, là, 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 là. Mais vous auriez pu faire deviner plus de mots en bleu, là. On va devoir galérer. Ah, c'est. Oh, là, là. Critique. En 1. Ah ouais. Bah, t'es sûr que tu veux. Après, on peut en rajouter un. Non, mais MV. En 1. Mais. Ah ouais. Théâtre. Oh, pièce. Ok, pièce. Okay, donc pièce. Et du coup, épaule, on le valide aussi, du coup. Ouais. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y. Et c'est gagné. Ah, bien joué. Bien bravo. Joué. Tectonique, c'était pas mal trouvé. Bon, à part astronaute qui était infernal. Mais... Ouais, c'est ça. En vrai, c'était super compliqué parce qu'en fait, j'ai dit O au tout début. Et vous êtes parti sur Vénus. Et la prédiction est terminée. Et Vénus et bombe. J'avais strictement jamais pensé à ça. Et l'eau de rose, vous n'y avez même pas pensé une fois. Et du coup, j'étais en mode ah merde. Ah, c'est vrai. J'étais justement en train de me dire quand j'ai vu le jeu bleu. Ouais. On me demande juste si les giveaways est limité à la France ou pas. Alors ça, pour le coup, j'en ai malheureusement aucune idée. J'imagine, mais vraiment, ouais, je ne sais pas du tout. Je suis vraiment on désolé. Pas, on ne pas la fait pas pour nos amis belges. Amis belges. Alors pour la Belgique, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci, parce que moi, ils m'en ont envoyé. Je vous rappelle, c'est disponible. C'est un peu la France. Je pense que ouais, ça doit être France, Belgique. Ça doit être France, Belgique, Suisse, je pense, ouais. Après, mais là, ouais, j'ai eu un tirage, c'était... Ouais, c'était compliqué. Ah, et facteur, c'était facteur, quoi, en fait, c'était membre. Et il y avait déjà, du coup, mais c'était le membre de la Poste, quoi, c'est un facteur.
Oh quoi, mais comment tu veux comprendre? Ah non, mais j'ai jamais dit que c'était facile. Mais attends, mais à la poste, il y a des syndicalistes et ils font des barbecues. Ah mais attendez, c'était ultra chaud. Enfin, crête matière nylon rose astronaute. La technique, c'était vraiment bien joué, mais c'était très très dur. Quand on le regarde, super dur, genre. Ouais. C'était très très dur, ouais. C'était vraiment vraiment. Vraiment chaud, et surtout, joué, bien joué quand même. Surtout qu'avec le premier mot O, je pensais que vous alliez trouver plus, et en fait vous êtes parti sur deux mots genre Vénus et bombe, qui j'avais pas du tout, du coup j'étais en mode je peux pas refaire O ou quoi, c'est chaud. Et puis mon clutch avec la chasse là. Ah ouais, et la chasse d'eau ça m'a mis trop mal parce que du coup j'y avais même pas pensé. Alors que vous étiez sur matière et tout, j'ai trop tech. Ouais, toujours écouter la première intuition. Les premières intuitions sont souvent les bonnes quand même quand on joue à ce jeu. Ouais. On en refait un petit peu en remixant les équipes. Ouais, bien sûr. Ouais, okay. Ouais, des bisous YouTube, des bisous YouTube. Bien sûr. Un max de bisous. On passe en home, si jamais faut recréer des. Faut créer une game ou pas? Je crois qu'on peut changer de game en passant. Ah oui, je peux passer dans l'équipe rouge. Oui. Attends, qu'est-ce qu'on se fait comme équipe? Là, merci Kerjox pour le troisième mois, merci aussi Holtmaniac pour le prime, merci Condolence pour le dixième mois. Merci beaucoup. En face, ouais. Bah voilà. Qui c'est super bien fait. Est-ce que moi je veux bien être avec Ultia, en vrai, moi ça me dérange pas. Ok. Moi, peu importe. Hein. Bah vas-y, viens MV si tu veux. Oui, je me suis mise dans les rouges, mais en fait. Je vais blue alors. Ah, comment je fais? Tu cliques sur ton pseudo qui doit être en haut à droite. En haut à droite, oui, passer dans l'équipe bleue, ok. Ça va blue. Ah, je suis espion, on est trop. Mais en vrai, est-ce que ça peut pas être marrant de faire deux espions à un agent? Oh, la prise de tête. Oh, l'enfer. Non, ça fait trop de vocales séparées en fait. Ouais. Allons faire sur Terre. Ok, bah écoutez, let's go, on sort une petite session. Je sais pas si on aura le temps de tourner à faire les trois, mais en tout cas au moins deux, je pense. C'est toi l'espion et Lunatic ou c'est. Attends, qui vise? C'est quand la partie est relancée qu'on va changer, c'est ça? Hein? Ponce ou MV, faut que vous passiez en avant. Ouais, mais là, je sais pas comment on fait. Pareil. Je pense qu'il faut relancer la partie, mais. Mais non, oui. Attends, vous pouvez. Mais vous pouvez, lorsque vous êtes en haut à droite, vous avez un petit truc, vous avez votre pseudo et agent rouge, tout ça. Et vous pouvez dire devenir espion, devenir quelque chose, tu vois. Moi, j'ai qui est changé de pseudo ou passer dans l'équipe rouge. Pareil. Ah, tu peux pas devenir agent? Non. Okay. Moi, j'ai marqué devenir espion, c'est bizarre. Vous êtes sûr que vous allez devenir agent? Attends, si je passe dans l'équipe rouge. Into, je repasse dans l'équipe bleue. Non, vu que t'es pas espion, tu vas rester espion. Je vais juste refaire une partie, tout va bien se passer, d'accord? Ok. Oui, vas-y. Ok, vas-y. Je passe en scène principale, ouais. Bien sûr. Très bien. Bien sûr. C'est le code. Ouais, à moins de speeder un peu, on n'aura pas le temps de faire que tout le monde revienne. Merci aussi, TexTex, pour le troisième mois. Merci. Je fais deviner, on va dire. Et En vrai, je vous jure que... Là, j'ai eu un tirage, c'était hyper dur. Hein. Je savais pas comment m'en sortir, c'était hyper dur, vraiment. Hyper, hyper dur. Mais hyper intéressant aussi. Je pense que j'aurais dû tenter un tectonique plus tôt, je sais pas. Allez. C'est pas les mêmes gens. On s'isole ou... On va s'isoler un peu, on va se confiner. Petite isolation, ouais. Pardon. Du coup, finalement, pour le giveaway, j'ai fait un truc sur mon Discord, en fait. Ah bah, pareil, ok. Il y a un salon kermesse. Ah oui, c'est vrai, il faut faire le tirage après... Bon, on le fait à la fin. Moi, je ferai le tirage tout à la fin. Moi, j'ai mis sur Discord et j'ai mis une heure. Je tirerai les trois à la fin. Bon, par contre, vous vous démerderez. Il y en aura un ou une qui aura l'image. C'est au pif. Hein. Ah oui, bien sûr. Pas demander qui veut quoi. Hein. C'est ouf que ce soit gratuit. Ouais, sur le site, c'est 100% gratuit. Code name, ce qui est cool en vrai. Hein. C'est trop bien. Vraiment sympa. Vraiment très sympa. Est-ce qu'il y a une autre prédiction qui arrive ou pas? Oui, bah oui, il y aura une prédiction qui va arriver. Ah oui. Ah bah j'avoue, on peut déjà la faire. Oui. Petite préd, ils sont chauds. En plus, c'est trop bien fait parce que... Vous pouvez y aller, les modos, si vous voulez faire les prédictions avec 2 minutes, je pense, 2 minutes, le temps de bête. 2, même 3 minutes, je pense, c'est ok. Le temps de bête. Oui. Merci Marielle. Il fait les noms du coup, vu qu'on a changé un peu les équipes. Merci pour la fête des fleurs, merci beaucoup. JD et MV. C'est super gentil, bienvenue aux 5 nouvelles fleurs. Merci beaucoup Marielle. Non. Merci Yubabao pour le 11e mois aussi. Merci beaucoup. Apparemment, il existe aussi une version duo pour jouer à deux. Ah, mais il y en a déjà une encore. Ah bah. Voilà. Faites attention, les noms ont changé. C'est trop bien d'avoir les prédictions maintenant. Ah, c'est le feu. Je suis si ravi. C'est grave cool. Bah, c'est vrai que les points de chaîne, ça n'avait pas trop d'utilité, donc là au moins il y a un enjeu rigolo. Ouais. Et c'est vraiment broken parce que j'ai Az qui est tout le temps sur live, qui le laisse tourner machin et qui était genre à 700 000 points.
Et en fait, depuis qu'elle est Paris, j'en ai un qui a 4 millions 7. Ou... Ah oui, ça détruit l'écosystème, c'est clair et net. Hein. Mais il y a plein de gens qui sont ruinés. Hein. Mais du coup, il y a pas mal de streamers qui faisaient genre j'offre un sub pour tant de points ou je fais ça pour tant de points. Ils doivent tout enlever, quoi, en fait. Hein. Xary faisait des giveaways sur les 1 million, 2 millions. Le truc, c'est qu'il le fait plus, quoi, du coup. Ouais, bah oui. Ah ouais. Non, mais ce que tu peux faire, ouais, c'est juste des intégrations drôles, quoi. Des sons, des happenings. Mais il faut les mettre très cher, vu que, oui, justement, ça emmène l'économie vers le haut, quoi. Ouais. Oui, parce que sinon, tu fais que ça après. Ou alors. Puis en plus, c'est ça aussi, t'as envie de battre tout le temps, quoi. Tu te mets un petit tailleul de Fanta à 5 points. L'angoisse. Oh non, l'angoisse. Ta gueule. Non, le truc qui est pas mal sur le machin qui te permet de permettre aux gens de balancer des sons, c'est que justement, tu peux aussi censurer, mettre en mode pas plus de 5 par heure ou des conneries comme ça. Il faudrait que je le retrouve, ce truc-là. Ah ouais, tu peux limiter dans le temps, mais ça peut être pas mal aussi. Ouais. Le live de Mintos, ouais. C'est drôle. Merci Yuglin. Il y a un petit giveaway. Oui, tout à fait. Je vous le précise, les fleurs. À la fin de la session, je sais pas trop, on va encore faire une ou deux parties, je pense. Il y aura 3 jeux à gagner. 2 codenames classiques, des donc jeux physiques qu'on va vous envoyer, et un codenames image. Voilà. Je ferai le tirage au sort tout à l'heure à la fin parmi des gens du chat. Voilà. Ah putain, c'est bien. Ah oui. Magnifique. Ah, Mintos. Rouge. Mintos Jirachi, quoi. Salut les petits chats. Ah, c'est gênant. Ah non, c'est génial. Ça met très mal à l'aise. J'adore. Surtout qu'ils vont avoir des problèmes car ça fait jeu d'argent. Oui. Ah oui, en plus, du coup, ça fait jeu d'argent, effectivement. Tu peux parier. Oui, mais c'est de la monnaie. Putain, c'est du 50-50 chez moi là. C'est oui, mais si tu mets des trucs à gagner. Ah oui, oui c'est vrai. Ah non, attends. Ah, c'est quasiment 50-50 au niveau des paris chez moi là. Je suis sur un 64-36. Ah, j'ai pas fait gaffe du tout. Incroyable. Ah, faut que je fasse c'est quoi la cote? Je sais même pas où est-ce qu'on voit la cote du truc. Si tu fais slash prédiction à nouveau, normalement, tu vois. Avant de valider quoi prédiction que ce soit. Prédiction pluriel non, au singulier. Moi, c'est 56 oui, 44 non. Ah oui, ah oui non, c'est 50% non. 50% oui, 50% non. 76 What pour notre team et 24 pour la team de Ponce IDMV. Moi, je suis en 63-37. Vespiter qui a 1250 000 sur le oui. Gorsin qui a mis 104 000 points de chaîne. Attends, vous voyez ça où? En bas, tu vois tu le plus gros bet. Tu fais slash prédiction et tu vois les stats. Les stats. Et c'est parce que ça te permet aussi de terminer les votes, mais si t'appuies sur rien, 90 000. C'est 250 000, c'est le max qu'on puisse mettre sur un pari. Oh. Moi, à chaque fois, il y en a qui mettent 250 000. Ah ouais, il y a des 250 000, ouais, putain. C'est énorme. Ouf. Faut pas les perdre. Bon, après, tu me diras, tu perds rien du tout, quoi. C'est pas très grave. Les modos, ils peuvent toujours pas voter. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est normal, c'est... C'est comme si t'as quelqu'un de la famille dans La Française des Jeux. Hein. Eh oui, c'est vrai. La classique. C'est vrai que les modos peuvent pas. Ah. Ça va jouer. Ah, re. Re. Bah, j'arrive. Pas de collusion avec les modos. Je peux pas vous en dire plus. Là, on assiste à un drame. Du coup, les modos disent, du coup, on reste pauvre. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Non, rien. Vous avez une bonne grille? Franchement, ça va, elle est pas horrible. Des deux côtés, elle est pas horrible. Ok. C'est beau. Ah oui, on commence. Hein. Putain, ce sont les bleus, oui. Les bleus qui commencent. Très bien. Putain, j'ai pas du tout fait attention aux mots, mais ça. On va le faire non plus. En vrai, mais t'inquiète, on va tout découvrir. Est-ce qu'on peut passer en emote only, par contre? Bien sûr. Ah oui, j'avoue, l'emote only. Incroyable. Hop. Évidemment. Allez. Disaster piece, bordel. Arrêtez-moi encore 30 secondes, s'il vous plaît. Bien sûr. Je suis dépité. Ah, c'est dur ? Non. C'est dur d'être con, c'est ça le problème. Aïe. Je connais très très bien ça. Aïe. Ça va être désagréable. Mais du coup, MV, la voix de World Premier que tu fais, c'est avec le gender à gauche, full. C'est-à-dire la voix... Ah oui, non, la... Celle-ci ? Ouais, voilà, celle-là, ouais. Allô ? C'est... Oui. C'est le pitch quasiment à moitié vers la gauche et le gender à moitié à droite. Et je prends une grosse voix aussi, quoi. Un truc quelque chose comme ça, par exemple ? Oui, voilà. Bien, d'accord, c'est extrêmement propre.
Parce qu'en en gros, le pitch, c'est vraiment, ça va te faire le gros truc bourrin d'un octave vers le haut, vers le bas si tu le tournes. Ah, mais le football. Gender, c'est juste pour féminiser ou masculiniser. Ou masculin, ouais, ouais. Football en 4. Alors, la je fraternité des passe. Footballeurs. Ah, passe le ballon, tu verras comme le monde des ronds. Encore passe-partout le Fort Boyard. Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. La balle, bien sûr. La balle, bien sûr, oui. La rencontre, pourquoi le pas. Gardien, le gardien, le gardien. Balle. Ah, il y a la main aussi au foot. Ah, il y a plein de trucs parce qu'il y a le titre, il y a rencontre. Y a... C'est le quatrième qui est compliqué, je pense. Il y a le Schtroumpf footballeur, il me semble. Mais what the fuck, Antoine, tu as exactement dit ça. Mais oui. Mais bah, c'est à mon pas avis, vrai, il a été introduit en 2012. Balle passe gardien, à mon avis, c'est garanti. Tu veux qu'on les valide et comme ça on sera sûr et ça enlève. Ouais, donc par évidence, balle. Allez. Twincy, Antoine. Passe. Choisis le deuxième, passe. C'est bon. Gardien. Okay. Et donc, moi, c'est rencontre ou titre. Rencontre, peut-être. Du coup, main, on oublie. Ah ouais, ah oui, c'est vrai que c'est oui la main dans le football, ouais. La lune, c'est un peu un ballon. Hein. C'est une faute, une faute de main. En vrai, ah oui, y a être ça footballeur, aussi. Ça apporte masse argent. C'est vrai. Masse agent. Et il faut un agent quand t'es footballeur. C'est faut notre agent. Moi, j'ai déjà vu un teindre à l'effigie de Zinedine Zidane. Un agent de talent. Alors qui va sache qui que va moi, je les ai. Ah mais il aurait pas mis ça. Il aurait pas mis, je pense. Je sais pas. En vrai, agent, rencontre, titre, main, les quatre fonctionnent bien, quoi. En fait, football, c'est craqué. Ouais, agent de talent, main... Le footballeur, c'est aussi des coupes de cheveux extraordinaires, bien sûr. Bien sûr. Rencontre me paraît peut-être le plus évident, mais... pas sûr. Ouais, je sais pas. Plonge au football. C'est vrai. Pour obtenir un petit pédo, les... Ravanelli. Les trois qui me chauffent, c'est titre, rencontre et main, okay. Avec une préférence sur rencontre aussi. Bah, vas-y, hein. Mais en même temps, le titre. Ça joue le titre, quoi. Ça joue le ça titre. Ça joue le titre. Un titre de football, une rencontre de football. Ils ont des coquilles sur leur partie. Ah, c'est vrai que jouer le titre, bon. Bah, on dit plus un match qu'une rencontre, mais d'un côté, il n'y a pas match, donc ça fonctionne aussi. C'est comme tout à l'heure, première partie ouverture, mais... Oui, c'est ça. Non, mais pourquoi pas titre. Ouais, le titre, vas-y, je suis chaud. Vas-y, on tente le titre. On joue le titre. Ah merde. Okay. Oh, bon, ça va, ça aurait pu être pire. C'est pas rouge, là. 3, c'est très bien. Ça va. Et on sait, on a les autres pistes. Alors, mon cher lunatique. J'avoue, on peut laisser des marques dessus ou pas? Ah non. Des quoi? Non, je voulais laisser genre nos noms sur les trucs pour pas oublier. Rencontre, bah ouais, main. Non, je les ai. Rencontre, main, agent. Si ça se trouve, eux, ils vont en éliminer, etc. etc. Oui, c'est ça. C'est à qui de faire deviner là, ah, c'est à toi. J'en profite pour faire un petit pipi des fleurs, mais je les entends. Ah, donc je suis toujours là, moi. J'entends, j'écoute et tout. Ok. J'arrive à de suite. Je vais vérifier que je fais pas de bêtises, mais logiquement, ça va aller. En vrai, j'hésite un peu quand même. Ah oui, pareil. Ah oui, Ponce. Oui. Pour le Go X... Non mais je parle à Ponce pour le Go XLR. Si tu vas dans les effets et dans gender, pareil, tu vois, t'as style narrow, medium ou wide. Ça te permet aussi de définir l'amplitude de ton potard en fait. Tu peux vraiment avoir des trucs beaucoup trop violents. Bref, beaucoup de choses à gratter. Mais ça c'est sur le software. Le oui. Software. Ouais. Mais c'est pas mal. Ouais. T'as des paramètres pour tous les sous-effets en fait. Alors, en fait, je me rends compte qu'il y a un truc qui m'arrange pas dans ce qui vient de se passer. Ah, c'est beaucoup moins simple. J'ai pas tiré la chasse, je me suis pas lavé les mains. Ouais, non, mais envie de mourir. J'ai surprenamment envie. Envie de mourir. Ça peut me faire deviner. Bon, les fleurs. Bon. L'hésitation est palpable du côté de lunatique. Bah alors, ouais, franchement, ouais. Ouais. Comment voilà. Ça se passe? J'en ai marre de cette voix. Il me nargue. Bah non, je te nargue pas, je suis avec toi. Est-ce que tu t'en sors? Attendez, hop, je dois ouvrir une nouvelle fenêtre pour le taf. Ok, je vais tenter. Ouais, je vais tenter une dinguerie. Je cache l'adresse.
BD en 3. BD. Bah, les Schtroumpfs. Schtroumpfs, ah oui, Bulle. Ultia, t'es là? Oui, oui, je réfléchis. Alors. Schtroumpf, Bulle pour moi. Lune peut-être pour le Tintin, on a marché sur la Lune. Oh ah, merci Brazlouis pour le Attends. Prime. Merci beaucoup. Pour moi, Schtroumpf, c'est Bulle, c'est sûr. Bah vas-y, valide ça déjà. Ouais. Téléchargement, et... bravo. Cuillère, main. C'est la forêt des Schtroumpfs? Non, c'est le village des Schtroumpfs. Puis même, enfin, ouais, je sais pas. Éponge, bah Bob l'éponge, mais c'est pas une BD, c'est un dessin animé. Mm. C'est pas évident quand même. Ouais, je mettrais Lune, mais bon, sans grand. Ah ouais, condition. Vraiment pour. Ok, bah, toi t'as la ref donc. Bah, c'est une BD de Tintin qui est assez connue. Ouais. Oui, oui, je connais, mais c'est vrai que. Je sais pas. Après, je pense que des. Enfin, ouais, non. Pas commencer à aider. Non, mais oui, bien sûr, mais je sais pas. Enfin, je veux dire, souvent quand on dit des mots, c'est pas intimement lié forcément, quoi. C'est. En vrai, je vois pas autre chose que ça, quoi. Je regarde. Peut-être Signe. Non, ouais, mais non. Signes, ouais, non, je sais pas, attends. OBD. Non. OBD. 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 Fraternité, main. Main, c'est dessiné. C'est dessiné de la BD, donc c'est. On dessiné dit à la main. Je sais pas. Si tu fais une faute sur ta Bulle, c'est une coquille. T'as raison. T'as pas tort dans ce que tu dis, MP. En vrai, je crois que je dirais. Oh, c'est dur quand même. On voit bien qu'il a voulu nous faire deviner les deux et qu'il a dit 3 parce qu'il s'est dit bon, ça pourrait peut-être rentrer aussi. Merci Sleepy Sloth pour le subgift. Main. Un des deux est le mot noir, attention. L'angoisse. Putain, je sais pas du tout. Moi non plus. Est-ce qu'on tente le beau jeu et Ah non, de toute façon, on est obligé d'en mettre 3 dans tous les cas, ça c'est sûr. Non, on peut finir de deviner. Ah non, 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 jamais. Voilà. C'est honteux. Okay, okay. Ah non, okay, non, okay. Non, bien sûr que non. Après, ça peut aussi être un signe, je sais pas. Signe, ouais. Main et Lune, pour moi, c'est les plus c'est... probables. Je suis d'accord. Mais je sais pas lequel, quoi. En fait, est-ce que les mots qu'on a trouvés, Schtroumpf et Bulle, voilà. Schtroumpf, Bulle, la BD, il y a les pages de BD. Timbre, non. Non, non, non. Le timbre, non, mais il n'y a pas d'autres trucs, je pense. Hein. La BD, pour moi, c'est avant tout une rencontre. Bien sûr. Sur Angoulême. À Angoulême, bien sûr. Le festival de la BD à Angoulême. Exact. Bon, bah, on prend Lune ou Main? Ultia. Bah, moi, je dirais plus Main, mais d'un autre côté, il vaut mieux écouter ta première intuition, en vrai, je pense. C'est compliqué, là. Oui. Du coup, tu penses qu'il faudrait qu'on prenne Lune? Ouais. Est-ce qu'on la tente? Est-ce qu'il peut avoir la ref? Ah oui, je pense que Lunatique a la ref de ça, ouais. Eh bien, partons là-dessus. Bon, bah, je prends Lune. Attention, 3, 2, 1. Oh, c'est bon! Bravo! Bien joué! Très bien joué! Bravo! Incroyable! Bravo, bravo! Ok, superbe. Fini de deviner. Oui. Non, en fait, un quatrième, ok. Non, parce que tu vois, voilà, si ça avait été Ponce, je savais qu'il aurait pas mis ça, quoi. Ah tu si, vois. Je pense. Donc là, toi, tu connais un peu mieux. En vrai, tout le monde insulte Ponce en mode. Ouais, j'avoue. Mais je l'insulte pas, je dis juste non, mais que. Pour le coup, mais n'importe quoi. Pour le coup, je pense que j'aurais voté Lune aussi 100%. Ah ouais? Ah oui. Ah. C'est l'une des BD les plus connues de France, je pense. Enfin, de même de la francophonie, même, je dirais. Ouais, c'est vrai. Oui. Je réfléchis un peu. Hein. Finalement. Finalement. Moi aussi, il faut que je réfléchisse pour la suite. Vas-y, finalement. Vas-y. Finalement. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Oui, c'est vrai que les nombrils, c'est une BD, j'avoue. Les nombrils? Sérieux? Ouais, c'est trop bien cette BD, j'aime bien quand j'étais ado. Ah oui, les nombrils, bien sûr. Lunatic, tu peux venir en privé deux secondes? Ok, ah, j'arrive. Oh là là, chaud. Il y a des messes basses. Ah oui, les nombrils, exact, les trois filles, les trois copines. Ouais, exactement. C'est trop bien. Énorme. Je lisais ça dans mon magazine Witch. Exact, j'avais complètement zapzoup. J'avais complètement zapzoup. Complètement. Aïe, aïe, aïe. Et ici Jeanne Moreau. Oh non, non. Comment ça va mes petits chatons? Oh, c'est horrible. Alors vous jouez un petit jeu de société? Ah ouais, c'est... c'est horrible. Ça fait plaisir d'être là. Bonjour. Merci. Okay. Oh. Putain, mais what? Bon, ça suffit. Alors il a trouvé son petit indice. J'en veux un, bordel, j'en veux un. J'avoue, passez-moi mes gauloises. On dit ça, s'il te plaît. T'es la mort, là. Tiens, prends ces 10 francs et va m'acheter des gauloises. Quel enfer. C'est immonde. Ça sent le tabac froid d'ici, quoi. Complètement. Oh mon dieu. Ah, ça a l'air compliqué, cette histoire. Mais... ça a pas l'air tant simple. Oh. Ah, le dessert. Le dessert. Il a osé. En un. Il y a la femme. Cuillère. Cuillère. Ah ouais, parce qu'il y a la forêt noire, un dessert allemand. Ah oui, la forêt noire. Il y a aussi... moi, je dirais que... non, la petite cuillère, enfin ouais, le dessert, moi, je... Le panda au chocolat aussi. Et moi, je mettrais main. Beaucoup de desserts à la main. Ah ouais, du moi, tour d'avant aussi. Moi, ouais, aussi, si, t'as raison. T'as raison, mais... ah ouais, cuillère pour dessert, ok. Je sais pas. Une cuillère ouais, sinon... à dessert. Si, non, mais sinon, vas-y, vas-y. Forêt, tiens, mais ouais. J'ai apporté le dessert. Ok. Okay. Et moi, je tenterais main, mais parce que si c'est pas titre, rencontre, je le sens moins du mais coup. Agent, c'était un peu tiré par les cheveux. Oh, je trouve que t'as raison, on pense facilement à main en parlant du foot, tu vois, genre ouais. Main, il y a eu main, il y a main. Ouais. Donc en vrai, go. Go. Eh ben voilà. Incroyable. Oh, incroyable. C'est bien. Bravo. Ça a bien joué là. Ça a joué vite, ça a joué propre. Allez, lunatique là, en 5 là. Heureusement que t'as insisté pour cuillère parce que moi j'aurais mis forêt noire, direct. Non, mais c'était pas con hein, en effet. Mais ouais, bah en 5, plus, hein. En 1, c'est plus... Non, dans 5 minutes, du coup. Ok. Ah ouais. Non. Ça arrive, ça. Y'a aucun problème. Putain, j'en ai marre. Je me barre en informateur. Ah, par contre, si on fait tout en 1, ça va être compliqué, hein. Ouais. Ouais, après, on a un peu d'avance, on est bien. Bon, après, on a un tour d'avance aussi, donc on n'a pas tant que ça d'avance, en fait. Même pas d'avance. Mais c'est si dur que ça qu'ils partent tous les deux dans leur truc espion. J'avoue, les conciliabules. Ah c'est hallucinant, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, quoi. En fait, c'est juste un truc de dingue, en fait. La lu, en fait. C'est complètement ouf. Vive les rooftops. Ça rend complètement dingue. Dingue, dingue, dingue. Ça suffit de faire joujou. Quand on met son pom-pom short, quand on met du wine dans son short. Bah alors, qu'est-ce que tu fais sur putain, internet? C'est de pire en pire. Ah non. Qu'est-ce que tu fais sur ton ordinateur? Ferme ce site, Titouan, ferme ce site. C'est vraiment le filtre pue de la gueule, celui-là. Ah non. Ah non, mais moi, vu que je fais les point and click en let's play, j'ai bien travaillé les modifs de voix dégueulasses. C'est vraiment le filtre pue de la gueule, celui-là. C'est mon sorcier chaman, lui. Pas envie de le rencontrer, celui-là. Oh mon dieu. Bah, comment ça fait quand je fais comme ça? Ah ouais. Ah, c'est bizarre. Salut, ça va? Alors les enfants, je vous sers un petit verre de Suze. Oh ah, bien sûr. En fait, là, c'est un peu ma voix normale, mais en bizarre. Ah oui. Ah oui, bah si tu mets les robots et les mégaphones, là, c'est l'enfer. Oui. Oui. Ah oui, complètement, oui. Mais moi, mais sinon, si le... je...
L'effet radio de base est efficace aussi. Allô. Oui. Écho, réverb. L'effet Tokiwoki aussi. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait, oui, complètement. Tu croiras pas ce qu'elle m'a dit l'autre jour? Je vais faire n'importe. Mais je vais pas te raconter ce que m'a dit l'autre jour Faustine, en fait. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Je préfère même pas en parler. L'autre jour, j'étais à la poste. Ouais. Je raconte pas. Bah, raconte-moi. Ça m'a duré 45 minutes. 45 j'avais minutes. J'avais seulement des minutes. T'as fait comment? Bah, j'ai pas fait. Mégaphone, c'est pas con ça. Ah oui, au téléphone. Ouais. 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 C'est mal passé. Ouais. Ah 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 on dirait une autruche. Ok, mais moi j'ai, par contre j'ai aucun retour son. Vous avez un retour son vous? Oui. Ah oui. Ouais, voilà, moi c'est ça le truc, c'est que j'ai mon truc branché, mon casque sur mon PC, du coup j'ai strictement aucun retour son de ma Go XLR. Mais pourquoi t'as ton casque sur ton PC? Parce que j'ai un casque USB. Et Ah ouais. Faute. Et ouais, énorme faute. T'es une ordure, pense. T'es une ordure. Faut se prendre un petit ATH M50. Là. C'est lequel, vas-y, la ref? Je suis assez curieux. Le ATH M50X de Audio Technica. C'est, ah, mais oui, mais c'est la ref depuis des décennies. Et il coûte pas cher pour sa qualité de son. Quoi. Il coûte 100-150. Ah, c'est celui-là. ATH M50X. Il coûte entre 100 et 150 balles selon, ouais, pareil, selon les seuls. Non, entre 100 et 150 balles. Ah ouais. Mais il a le qualité de son d'un casque qui vaut 3 fois plus. Heureux. Ok. Heureux à vous. C'est confortable. Bonsoir. Alors, eh bien, je vais vous proposer tout simplement de vous délecter d'un petit thé en deux. Thé en deux. Oh, il y a une menthe. Menthe, ouais, t'es à la menthe. Ah, mais putain, mais je suis pas avec vous. Oui, bah, t'es à la menthe, t'es haut. Non, mais joue. Ouais, pour moi, c'est ça. Attends, je continue à regarder un peu. Si on inverse du thé, il faut l'éponger. Exact. Tu penses vraiment que. De quoi? Non, c'est bon. Non, ça doit être ça. Le petit thé de l'hôpital. Le petit thé de la fraternité, sinon, hein, bien sûr. Mais... Non, bah, c'est ça, t'es trop fast, hein, bravo. Je pense que c'est ça. Je valide du coup? Ouais, ouais, go. Ça se validasse. Bien sûr. Ah, c'est propre. Bravo. C'est clean, il y a rien à dire. Lunatique, j'ai besoin qu'on retourne dans l'informateur pour trouver. Ah, what? Oh, déjà. Mais c'est quoi votre. D'accord, bon, okay. Je fais une petite pause physiologique, j'arrive. Ils partent encore discuter. Ensuite, quoi, il peut y avoir des questions. Genre, pense au. Quand on faisait deviner, il avait un truc. Vous aviez toute la colonne de gauche et il me demandait. Est-ce que, il se demandait s'il pouvait dire gauche 5, ce qui aurait été horrible. Pour que. Genre, ils disent gauche 5, ça veut dire que c'est la colonne de 5. Non, c'est illégal. C'est illégal. Apparemment, c'est illégal. Selon la FFCN, c'est illégal. Bien sûr. Du coup, concernant le casque, il n'y a pas une autre ref. Vous savez, le casque vachement utilisé en radio avec le duvet un peu gris autour. Ah oui, c'est le Beyerdynamic, Dynamic, non? Ah oui, le Beyerdynamic. Le DT600 ou DT700, Beyerdynamic, je crois. DT700. Ah oui, c'est ça. Que ça, celui-là donne vachement envie. Oui, ça c'est bien, c'est juste fermé. Plus fermé, c'est-à-dire t'entends moins l'extérieur, c'est vraiment t'es dans ta bulle. Ouais, ok. Moi j'aime pas trop les casques fermés. Je préfère un peu ouvert aussi. Mais les deux sont excellents. Hein. Et est-ce que le DT, donc ça c'est le DT700, est fermé? Est-ce qu'il y a le même modèle DT qui n'est pas fermé justement? Ah, pas sûr. Pas sûr. Je sais pas. Mais en vrai, prends l'Audio Technica, pense, hein, vraiment, c'est Fireburn. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment génial. Ah oui, ouais. Moi, j'utilise ce casque depuis. Le même modèle, en tout cas, depuis plus de 10 ans. En tout cas. Ouais, moi, ça fait 15 ans et j'en ai eu 3, quoi, parce que juste la mousse s'effrite et puis il tombe en lambeau au bout d'un moment. Mais, C'est du mini jack que tu peux mettre sur la Go XLR directement. Ouais, ça tente des arnaques, Moldav. Alors il tente des arnaques et il veut pas, il m'énerve. Attends, regarde. Bon bah 2 secondes, hein, laissez-moi réfléchir du coup. Hein. Oh bien mais sûr. Putain, mais c'est pas vrai. Mais non, mais non, moi je demandais est-ce qu'on avait le droit aux arnaques et il dit non. Non, on n'a pas le droit, bah justement on c'est en parlait aussi. C'est insupportable. Oh là là. J-Pep. J-Pep. J'ai envie de mourir. Oh ça va. Tranquille. Cette voix est tellement... S'il vous plaît. Je vous ai préparé une petite purée de céleri pour ce soir. Ah super. Ça ne donne pas envie.
Déjà, purée de céleri, ça va être bon. Non, pas du tout. Oh merde. Avec un petit Ricard, ça va bien le faire. C'est Marge Simpson. C'est plus les sœurs de Marge, là. Oh. C'est Marge. Quelle ambiance. L'ambiance est délétère. Un peu d'anisette, madame. Oh, j'adore l'anisette. La petite Marie Brizard, quoi. Hi. Ah, mamie. Alors, on vient voir mamie. Alors, tranquille. On va voir mamie à l'hôpital. Ouais. Probablement. Et Marguerite, Marguerite, prénom old school. Prénom old school. Enfin, je regarde. Agent, masse, signe, plongeur, éponge, mon timbre, nombril, panda, rencontre, fraternité, forêt, coquille. Ouais, ben. Je connais beaucoup de grand-mères qui roulent en Fiat Panda. Ouais, tu m'as convaincu. Rencontre, les mamies, elles collectionnent beaucoup des petits santons, un peu comme des, vous savez, les petits plongeurs en maillot de bain traditionnel. Tu m'as convaincu. Bah vous avez les 4 mots, hein. C'est bien. On a les 4 finaux, je pense. Hein. On a gagné. Imagine, c'est vraiment ça. Ah putain, ils ont 3 derrière. Coup dur. Ah, c'est pour ça que ça va être dur. Hôpital. Je te laisse valider. Hôpital, mamie, on est quand même violent, mais. Bah oui, mais bon. Oui, oui. Allez, il on va les trouver. Il a dû trouver deux trucs en lien. Mm. Enfin, pas en lien direct, mais en lien avec mamie. Donc ça serait ça. Et l'autre lien, ouais. Marguerite, c'est vrai que c'est un nom c'est de mamie. C'est old school, quoi. Ouais. Ah ouais. Ma mamie Marguerite, ouais. Vas-y, je le tends. Vas-y. Alors, peut-être. Allez, je clique. Ok. Allez, hop là. Ok, le suspense était insoutenable. Bien joué. Fini de deviner ou. une petite boule noire. Une boule noire. Non, en vrai. En vrai, autant peut-être. Ouais, ok. Parier sur l'erreur. Ça revient au même. C'est ça. Tranquille. Alors, lunatique. Vaut mieux éviter de leur en trouver un avant leur tour. J'ai envie de crever. Vous allez pas dans le chat en bas pour discuter un petit peu. Bah s'il a envie de tenter une arnaque, il peut me demander parce qu'il a le droit. Ça non. Suffit les messes basses. Hein. J'ai juste envie d'arrêter. Oh là 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 là. J-Pep 2. J-Pep. Okay. Bon, je vais tenter un truc. C'est parti. Oh putain. Putain. Oh. On va se louer un petit film au vidéoclub. Oh non. S'il vous plaît, non. En jeu. Putain. Tâche. En deux. Ah. Mais putain, mais du coup, ils vont mettre en deux après, on va perdre. J'en ai la faute. Ah mais non, tâche en on deux. On a plus de chances de gagner en deux qu'en trois. Une coquille, c'est une tâche, non? Enfin non, peut-être non. Attends. Je les ai. Moi aussi, je les ai. Tâche. Je pense. Un panda, ça a des tâches. Alors, soit les tâches du panda, soit une éponge dont on se servirait pour enlever des tâches. Ouais. Attends. Soit un agent, on lui donne des tâches à faire. Ah. C'est vrai aussi. Après, une coquille, tu vois, une coquille dans un texte, ça peut être une tache d'encre, tu vois, je ne sais oh, pas. Oh non, ça, je pense non. Que c'est un peu, peut-être un peu trop bah, tiré par les cheveux. Bah, je dirais panda et éponge, effectivement. Mm. Pour moi, ouais. C'est les plus, ouais. Je pense les plus aussi. Safe. Tu veux qu'on les valide? Eh bien, partons là-dessus. Ok, et propre. Okay. Très propre. Oh, putain. Parfait. Très bien. Bien joué. Là, si le fond en deux, c'est perdu, hein. Quoi. On peut pas se tenter un random, là. Avoir. Ah ouais, on peut pas? Bah non, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut être, en fait. On a aucune idée. Ouais, mais attends, moi, j'aurais... Idée, quoi. J'aurais mis éponge et plongeur, du coup. Plongeur pour ta... Ah la plonge, ah, quoi. La plonge, oui. Quoi, oui. Ouais, mais non, mais vas-y, on peut pas se permettre, je pense, de... Enfin, ouais. On a aucune info, en fait, donc... Non, tu as raison. Oui, non, mais de toute façon, c'était ça obligé, vu que Panda était plus logique, en effet. Et vous l'avez eu. Et voilà, il le fait en deux et c'est gagné, quoi. Ah, colis 2, alors. Oui. Agent de la poste. Aïe. Parce que moi sinon j'avais masse, tu sais, le colis, faut le peser quoi. Ah ouais. Et surtout tu rencontres ton livreur. Ah colis, ouais, c'est colis. Okay. Tu rencontres. Oui, non, il aurait mis poste si c'était. Si c'était agent. Ouais, je pense aussi. Ah ouais.
Donc, en effet, ça se tient. Timbre, c'est sûr. Timbre, on le valide. Ouais. Hop. Ensuite... Ah oui, colis. Ouais, non, mais hey, signe. Elle est validée. Pourquoi si... ah, ah, ouais. Signé. Ah oui, à la réception. Contre-signature. Bien sûr. Ah oui. Ouais, c'est dur, là, du coup. Moi, je serais plus signe, mais... Alors, on oublie tout le reste. En ouais. vrai, ouais. beaucoup de colis, beaucoup de transports, beaucoup de pollution, enfin peut-être de la déforestation aussi. C'est vrai. Donc forêt, bien sûr. masque aussi. Ensuite, c'est que... pas signature, c'est juste signe. Mais ouais, enfin oui, mais ça, ça on pourrait l'interpréter comme, comme le verbe. Enfin, la, ouais, signer, signe, ouais. Ouais, ouais. Signer. C'est vrai que c'est avant tout une rencontre avec ton facteur. Ouais. Ouais, bien sûr. Après, le timbre dépend de la masse, tu vois, du colis. Ouais, ouais, mais il faut pas forcément penser au timbre, il faut juste penser à ce qui est rapport avec colis, tu vois, c'est comme mamie avec Marguerite et vrai. Hôpital, tu vois. Après, Marguerite peut être à l'hôpital, c'est vrai. Mais, si t'as un colis, tu le prends, tu signes. Mm. Tu signes, mais tu signes avec un S. Mais, ouais, non, je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr, là. C'est l'un ou l'autre, clairement. Ensuite, il y avait le délire tout à l'heure avec la charge. Peut-être que c'est en référence à ça, là. C'est-à-dire, c'est-à-dire attends, il y a l'historique, c'est-à-dire la charge. Non, sur une partie précédente, il y avait un truc avec Factor ou Amazon, je sais pas, avec la charge, machin. Et c'est un peu, ça rentre un peu dans le délire de masse aussi. Alors... Attends, l'autre c'était timbre. Non, parce que il y avait pas lettre. Donc il aurait mis lettre ou truc pour signe, ça aurait été plus logique, je pense. Donc masse, c'est sûrement ça en vrai. Ah, tu penses plutôt à masse aussi? Bah en fait, avec timbre, t'avais juste à dire lettre ou enveloppe, tu vois. À quoi qu'enveloppe, t'as pas de signature. Et tu vois, en fait, c'est ça, le truc, c'est que c'est pas... Là, il parle pas juste du fait de réceptionner quelque chose, il parle vraiment d'un colis, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas lettre enveloppe ou c'est colis, quoi. Donc, ouais. Cool. Moi, je dirais masse aussi. Honnêtement, faut tenter ça. Vas-y, masse. Allez, je te suis. C'est parti. Allez, les deux. Oh, incroyable. Oh là là. Waouh. Franchement, moi, j'aurais pensé à signe en premier. Aussi. Bravo, ouais, ouais. Bravo. Quand j'ai vu signe, c'est évident, bien mais joué. Ensuite, ouais. Très, très bien joué. Bravo à vous. Ouais, j'ai tenté les indignités, mais ça n'a pas... Il non, vraiment, alors, je peux vous dire, pour son indignité, à la base, il voulait faire deviner Marguerite et masse en disant M. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi j'ai voulu dire M. J'ai dit on a le droit au nom propre. Il m'a dit oui et j'ai dit bah je peux mettre le chanteur M. Et il a pas voulu. Cœur. Et après j'ai tenté Mama pour faire Marguerite et je sais plus quoi, masse, et il a pas voulu non plus. Ouais. Donc, non, voilà. Faut pas faire du phonétique. Voilà. Non mais bien joué, par contre t'as quand même bien joué parce que du coup mamie ça passait bien quand même. Et c'était quoi votre dernier? Fraternité. Le dernier c'était fraternité, c'était impossible de l'allier aux autres. Ouais, j'avoue, c'était dur. En fait, tout à l'heure, je voulais faire, faire deviner panda et fraternité, j'aurais dit ours, tu vois, genre frère des ours et panda c'est un peu ouais, ours. Même dur. Mais il y avait la forêt, si je disais ours. Donc, oui. Ah oui, non, c'était... j'aurais pensé d'abord à forêt plutôt qu'à fraternité. Ça, c'est et puis je peux vous dire que quand j'ai vu eau, éponge et bulle, et que le mot en noir c'était plongeur, j'avais envie de mourir en fait. Ah, c'était plongeur. En vrai, il a... Bah oui, t'as dit que t'allais dire plongeur en plus. Lunatic a très 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 bien joué parce que c'était ultra dur et qu'il a réussi à quand même être juste à 0-1, c'est vraiment impressionnant. Et bien joué aussi pour la BD, t'as vraiment pensé exactement comme moi. J'étais en mode BD, c'est Bulle et Schtroumpf, et troisième, c'est vraiment on a marché sur la lune. Donc ouais, oui. Bon, on s'en refait une petite dernière, je pense qu'on a le temps pour une petite dernière. Ah oui, bien ouais, une petite là, c'est une petite dernière. Allez, go. Je veux bien faire deviner. Vas-y, j'en caste. MD ou Ponce pour deviner? Qui veut faire deviner? MV, si tu veux, moi j'ai pas été fameux tout à l'heure, je suis chaud de deviner. Okay, si MV, tu veux aller faire deviner. Vas-y, j'y vais. À toutes. Let's go. Le prochain du coup, effectivement, on parlait des casques tout à l'heure. Mais il y a le DT990 qui est un. Quoi? Le DT990 de chez Beyer Dynamic qui est ouvert, apparemment. Et qui est pas mal. Voilà. Attends, ça me dit quelque chose. Après, moi j'aime tellement mon casque que. Ah, mais oui! Bah j'avais un casque comme ça, et au bout d'un an, il a décidé d'arrêter de fonctionner. Ah ouais? Ouais, bah après, un an, c'est 2 ans de garantie, normalement, constructeur. Oui, donc justement, j'ai envoyé, et là, ça fait 2 semaines que je l'ai envoyé, j'attends toujours qu'il arrive.
Ah. Ouais, ça prend du temps. Okay. Mais ouais, non, mais par contre, ils sont vraiment sympas, effectivement. Ils sont assez confortables. Ça, ça isole assez bien du bruit. Parce que en gros, il y a le DT-770 qui est fermé, le DT-990 qui est ouvert, et sinon, il y a donc l'Audio Technica ATH-M50X, quoi. J'hésite entre les trois. Tu préfères fermé ou ouvert, du coup ? Bah, en fait, je préfère ouvert, pardon, dans le sens où c'est vrai que fermé, c'est un truc particulier où t'entends rien autour, tu t'es vraiment... Fermé, je pense, c'est vraiment quand tu travailles vraiment à fond dans le son, tout ça. Ouvert, ouais, quand, je pense pour streamer ouvert c'est mieux parce que comme ça t'es pas trop renfermé sur quand toi. Quand tu cries, mec. Enfin, sinon je vais mettre à parler vraiment comme ça tout le temps. Enfin, ça va être insupportable. C'est littéralement ça. C'est vraiment littéralement ça. Audio Technica parfait pour tes conditions. Ah ouais ? Parce que justement, c'est ce que me disaient MV et Antoine, que l'Audio Technica était vraiment propre. Audio Technica. C'est en gros le ATH-M50X. Mais tu changerais juste pour avoir le retour, c'est ça ? En fait, je changerais pour... Attendez, faut que je fasse ces prédictions, j'ai pas fait. Ah si. Ah quoi ? Oui, moi aussi. Comment c'est ? Hein ? Gagnant. Quoi ? Ah si, vous l'avez fait ? Bon, je laisse les modos faire. Je suis perdu. Ah oui, c'est vrai, oui, je vois l'audio technique. En fait, ouais, le but ultia, ce serait pouvoir le brancher à la Go XLR plutôt qu'au PC pour pouvoir avoir son retour et même tout régler comme ça. Parce que moi, le truc avec ma Go XLR, et toi aussi, ultia, t'as ça, c'est qu'on l'utilise pas du tout à sa pleine compétence, on l'utilise un poil, tu vois. Moi, je sais même pas ce que c'est. Bah oui, non, mais c'est ça. Moi, je l'utilise pas parce que c'est en rupture le stock. Attends, slash prédiction. Si vous avez un petit partenariat pour GoXLR, moi je suis chaud. Ah, on n'a aucun partenariat. Non mais je sais, mais c'est juste qu'ils sont en rupture partout. Allons-nous gagner cette game ? Oui, non. Prédiction, 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour prédire, allons-nous gagner cette game ? Oui ou non, messieurs, dames ? Oui, Ponce est beaucoup trop passionné par son système son, c'est vrai que c'est un sujet récurrent chez lui. Ah, moi ça me... Et là, j'ai encore fait des nouveaux réglages sur mon micro, j'ai une utilisation qui est très différente. En vrai, ça se comprend de ouf, hein. C'est vraiment... mais j'entends la même voix. En fait, c'est fait exprès, mais c'est le but. Mon but, c'est d'avoir la même voix, mais d'être positionné tout à fait différemment par rapport à mon micro. Voilà. D'accord. C'est exactement le but. Donc, je suis très fier que vous entendiez chose. On voit grave la diff, en vrai. Bah, la diff est notable. Ouais. La diff est notable, ici. Ah oui, il est sur Thomann. Putain, ouais, 370€ par an, putain. Quelle vie. Petit cadeau de Noël. Si t'as un retour, tu peux prendre fermé. Ouais, mais le truc de fermé, c'est que vraiment, tu vas avoir tendance à gueuler. Peut-être au bout de... Par exemple, tu sais, des fois, tu fais des lives de 7-8 heures. En fermé, ça peut être un peu... Ouais, oppressant, quoi. Ça fait un peu mal au crâne au bout d'un moment aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Puis le truc, c'est genre, si jamais tu reçois un appel ou un colis pendant le stream, t'as de grandes chances de le rater. Aussi, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, tout à fait. Franchement, d'expérience, hein, pour avoir un truc fermé, je sais que quand tu l'as, t'entends plus rien derrière. T'es pas fermé avec ton Logitech ? Non, il est pas fermé le G733 de Logitech. Non. Ah bon ? Non, je crois pas. Non. Ou alors c'est un semi-ouvert. Mais... Oui. Vu que t'as un XLR, c'est bien un truc qui se branche en USB, ça, pour le coup. Oui. Ouais. Et genre, t'es obligé d'avoir un logiciel en constant, sinon il marche pas. Oui. Okay. Voilà. Mais c'est un logiciel qui bouffe rien, hein, en termes de RAM et tout. Tiens. Parce que je vois que finalement, ils sont pas en recherche. Mais vas-y, pense, active un effet, là. Je regarde ton stream. Quoi ? Ah bah, montre pas la scène de... Quoi ? De jeu, hein, du coup. Hein. Montre juste la scène... De toute façon, tu scène, vas rien voir du tout. Je dois découvrir. Ah oui. Non, mais oui. Du coup, tu veux quoi comme voix ? Juste que je fasse genre... Non, je veux juste que tu me montres le logiciel et que tu me montres... Oui, mais non, mais t'as pas compris. Je veux que tu montres le logiciel et que tu montres comment activer... Alors en fait, c'est pas. Attends, wow. J'ai enlevé ton stream. En fait, c'est un mélange. J'arrive. En fait, c'est un mélange entre le logiciel et le. C'est un mélange entre le software et le hardware. C'est-à-dire qu'avec le software, tu vas choisir comment réagissent les boutons en hardware. J'ai rien compris. En gros, c'est-à-dire que j'ai par exemple un bouton sur ma Go XLR qui s'appelle Artune, c'est de l'autotune. C'est par exemple pour faire des trucs comme ça. Mais j'ai pas vu ce que t'as fait. Mais là, j'ai juste. C'est pour ça que je te dis, là c'est sur la Go XLR, sur l'objet, sur l'objet, je clique en physique sur un bouton où il y a écrit Artune, et ça fait « Salut à tous, j'ai cliqué sur Artune !» Sauf qu'en fait... Ça marche ou pas ? Non, parce que justement, c'est là où le software intervient, c'est qu'il faut checker ton effet Artune, tu l'as sur ton logiciel, et sur ton logiciel tu peux choisir qu'est-ce que ça va faire. Ok. En nature, en médium, en hard, machin. Quelle vie. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu vas pouvoir config, grâce au logiciel, ce que vont faire tes boutons quand tu vas appuyer dessus. En gros, c'est ça. Voilà.
Voilà. Donc là, ça fait quoi? Là, ça fait absolument rien. Ok. Bah écoute, tu m'expliqueras. Oui. J'y arrive. Je t'expliquerai avec plaisir. Voilà. T'inquiète, quel enfer. Elle a parlé tout à fait normalement. Là, vous entendez l'effet que j'ai mis ou pas? Il est insane, non? Non, j'ai juste demandé ça fait quoi. Là, c'est insane, non? C'est insane, effectivement. En vrai, là, c'est juste ouf ou pas? L'effet. Et pourtant, vous... j'ai... Mais ouais, mais... Vous kiffez l'effet ou pas, là? Ok. Quoi? Yep. Ouais. Il n'y en a pas, du coup, c'est ça, la même. Ça va, c'est bon aussi, hein. Lourdeur. Oh là. Hop. Et t'as ton retour son là en direct avec le Go XLR ou pas? Alors justement, tu peux brancher un casque en mini jack sur ta Go XLR pour avoir le retour, ouais, direct. Sauf que moi j'ai un casque USB, du coup je suis branché au PC, donc je n'ai pas le retour de mon de ma Go XLR. C'est pour ça que j'aimerais. Un casque direct, ouais. C'est pour ça que j'aimerais bien, parce que même ça peut permettre avec sa Go XLR de pouvoir tout config. Chose que tu ne peux, ouais, pas faire si t'as un casque comme moi. Voilà. Ok, je vois, je vois. Putain, mais pourtant j'ai fait ce que t'as mis sur ton stream, j'ai mis hard. Ah mais après, une fois que t'as mis hard. Il faut appuyer sur... Alors, il faut que ton FX, tu vois le gros bouton carré FX sur la droite de ta Go XLR, il faut qu'il soit... Non. Oui. Il faut qu'il soit coloré. S'il n'est pas coloré, ça veut dire que les effets que tu vas mettre ne seront pas pris en compte. Ah, mais tu m'as pas dit. Bah oui, non, mais je peux pas tout te dire. Déjà, t'as du mal à comprendre, je vais pas commencer mais à si te dire. Dit, en ensuite, pratique, ton potard de 14, tu le mets en 8.2, puis là, tu vas avoir un effet complètement stylé. Donc, en gros, le FX, le gros bouton FX, te permet d'avoir... de faire en sorte que toutes les modifications seront acceptées. Ah bah voilà, donc c'est pour, voilà, ça que ça faisait rien. Ok, ok. Ouais, mais c'est aussi... Oui, enfin, c'est plein de trucs, quoi, du coup. Pédagogie en fait, niveau 1. Il faut qu'il se dépêche un peu pour que Lunatic puisse sortir sa vidéo, ouais, tranquillement. De quoi? Faut qu'il commence à se bouger un peu, Antoine. Et bah, en fait, la vidéo est paramétrée et tout. C'est juste qu'il faut que vraiment vers 16h50, je sois là et je puisse envoyer les gens sur la vidéo. Oui, bah, normal. Quand tu sors un truc sur lequel t'as bossé pendant 1000 ans aussi, t'as. Tiens, nous avons les Bimis et le Batman qui sont aujourd'hui. C'est vrai que ouais, je pense qu'ils ont une grille. Alors, soit ils ont une grille très dure, soit ils sont en train d'essayer tous leurs effets, de faire. Là, depuis tout à l'heure. Attends, montre. C'est chaud pour retourner dans le. Non, ça va, ils arrivent. Ouais, t'aurais pu choper des indices sans faire exprès. Mec, j'ai pensé à ça au moment où j'ai switch, et c'est pour ça que je suis vite revenu, et j'ai juste entendu Antoine dire, okay, je pense qu'on peut revenir, voilà. Ok, on revient. Quoi? T'as dit quoi, pense? Non, parce qu'en fait, en gros, on s'imaginait vous deux en train de faire de la merde avec vos effets, on s'est dit, on va aller checker, je suis allé checker, et au moment de checker, je me suis dit, je vais entendre des indices, je suis con, et en fait, j'ai juste entendu Antoine dire, on va revenir, voilà. C'est bon, mais t'as triché, quoi. Mec, je suis juste fou, en fait. Je suis dingue. Du coup, je propose qu'on ait directement, nous, deux mots validés. Ouais, je l'avais validé. Non, j'ai vraiment rien entendu. Le live est témoin. Bien sûr. Bien sûr. MV. Ok, ouais, non, mais c'est assez... Pratiquez l'indice. C'est l'enfer. C'est encore au bleu de commencer, quoi. Ouais. Et ma Go XLR est branchée à mon PC. C'est pour ça et elle sert de sortie son, en gros. Voilà. Non, mais en fait, d'ailleurs, merci beaucoup Reiko pour le subgift, Stick pour le Prime, Titlout pour le 5e mois, Muniako du coup pour le 5e mois aussi, Slim Shavi pour le 5e mois. Merci à vous. Courage. Batterie 50% des. Courage, mais vite quand même. Ouais. Rien compris. Merci Arthur pour le 3e mois aussi, merci beaucoup. Ok. Ah, mais non, vous êtes fous. C'est assez imminent. C'est imminent, à tout moment. D'un instant à l'autre. À tout moment, ça peut tomber. Dis donc, c'est des grilles compliquées, on a du mal. Hein. En vrai, elles sont dures, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça très dur. C'est la RNG, hein. Non, je pense que c'est vraiment dur. Ah merde, faut passer en émote, pardon. Ah, je peux te dire, j'ai eu des grilles en 3 tours, c'est terminé, mais easy. Hein. Alors. Non, mais c'est double sens. Xavier. Oui. On trouve son petit mot. Allez. Ah putain. Quel un petit effort. Crap, putain, faites des dons. Faites des dons, je vais m'en acheter une, je l'ai fait. Ok, on va tenter ça. Le pire en pire. Et... Ça n'a plus aucun sens. Je regarde juste tous ces mots. Ok, en 3. Ah oui. Aïe. Aïe aïe aïe. Oh, j'adore. Aïe. Qu'est-ce aïe. Que j'aime ah, ça, ouais. Bordel. Bon. Alors. Il y en a un facile. Waouh. Vampire, ouais. Ok, j'en ai deux. J'en ai trois. C'est bon, j'ai les trois. Ouais, j'ai pensé à Jardin aussi, mais.
J'adore là. Ça me donne faim. Une crème un peu aillée, tu vois. Crème à l'ail, quoi. Quelque chose d'assez relevé, finalement. Ouais, je vois, ouais, ouais. Enfin, ah là là. Au niveau de la... Avec une poêle, par exemple. Une poêle ? Non, mais si, mais si. La cuisine. Non. Ouais, en fait, tout ce qui a un rapport avec la cuisine, je pense que c'est ok. Ouais. La chance, avoir la chance d'une gousse d'ail. Une expression. La gousse à quatre feuilles. J'ai jamais entendu ça. Expression du Mont Ventoux. On peut couper une gousse d'ail en quart, quoi. Ouais, un quart d'ail. Easy. Bon, je pense qu'on a. On a des trucs. Bon, vampire, c'est sûr. On est d'accord, le coq à l'ail, c'est un truc qui existe ou pas du tout ? Oui, ça existe. T'es sûr ? Non. Ok. Mais vampire, c'est bon. Go, j'ai validé, c'est bon. C'était ouais, sûr. Ouais. Enfin, vampire, voilà. Mais du coq. Non, passer du coq à l'âne. Oui, ça, passer du coq à l'âne, ça je connais. Ça, passer du coq à l'âne, je passer connais. Passer du coq à l'ail. Est-ce que pour de vrai. Non, passer du coq à light. C'est pas passer du coq à l'ail. C'est juste du coq à l'ail. Ouais, mais du coup, vu que je connais le coq à l'âne et le coq à l'âne. Le coq, est-ce qu'il est à l'âne hein. Eh oui, le c'est coq ça. À l'âne, oui, j'y pense. Bon, allez, tomber le coq à l'âne. Le coq, c'est trop. C'est juste de la sonorité qui brain, coq à l'âne. On ira checker à la fin de la game si le coq à l'âne existe. Non, c'est juste. Pourquoi pas. D'un point de vue sonorité, t'as l'impression que. Mais non, je pense pas. Tu pourrais mettre des gousses d'ail dans le trou de balle du. Ça se fait en vrai, honnêtement. Carrément, ouais. Ouais. Et ensuite. dans ton jardin, tu fais pousser de l'ail, non, bof. Moi j'ai que ça dans mon jardin, personne. Mais bon, toi, non. En vrai, la poêle, la cuisine, tu cuisines de l'ail, ça me paraît le plus logique, non? Et la crème, ouais, en vrai, pour moi, c'est ça, hein, les deux, c'est les deux qu'on a laissés. Hein. Tu vois, le truc, c'est que c'est pas évident, mais en même temps, ouais. Roulette, ail, c'est pas ouf, tu vois. Après, il y a quart, hein. En vrai, on rigole, mais un quart d'ail, jamais pas, entendu. Ça. Moi non plus, jamais entendu. Ouais, non. C'était pour voir. Roulette, ce mec, une roulette d'ail. Attends, non. Non, mais c'était pour voir. Jamais non plus entendu. Est-ce qu'on peut Non, mais. Ouais, moi je dirais les deux qu'on a mis. On a rien. De toute façon, on a rien d'autre. Hein. Je réfléchis, mais. Vas-y, on peut tester poil. Oh mais non, mais gros, c'est. Mais oui, mais non, c'est un problème. Voilà. Ah on aurait dû faire crème avant, on est trop con. Non mais les coca l'ail mec. On est désolé. MV. Ça commence fort. On est non désolé. Mais la grille est pas évidente. Par contre on retient crème. J'avoue que j'aurais mis pareil poêle. Hein. Putain mais trois ail. Ah, mais si le coca l'ail existe. Antoine, on t'attend Antoine. Le roi de France va s'exprimer. J'arrive tout de suite. En trois. Moi, je pense que vraiment Antoine au bout d'un moment il va vraiment s'appeler Jean Castex et parler que comme ça. Attends je vérifie. C'est immonde. Ok. En trois. Oui. Le mot est écrit de cette façon. Oui. Pâté. Et le bien cinéma. Pâté le cinéma. Donc si mais c'est y a rien. Cinéma. Ah bah l'écran du coup. Pâté. C'est écrit comme ça, de cinéma pâté ? Ouais. 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 Je pense à l'écran, du coup. Peut-être franchise pour la franchise de cinéma. Je sais pas du coup si on parle de franchise pour des films. Si. Licence. Attends. Y a pas un délire genre le. Oui, quand il y a un film pâté, il y a une vieille. Y a pas un vieux logo de coq ? Ça me dit rien. J'ai pas la ref. Moi, il me. Qui a dit pas la ref ? Moi. Et du coup, on n'est pas ensemble, c'est énorme. Ouais. Ça me dit rien. Parce que moi, je crois que quand tu. La dernière fois que j'ai vu les films pâtés au cinéma, je crois qu'il y a toujours. C'est, il y a d'abord une ombre de coq, puis après, tu vois le logo pâté, je crois. Parce que pâté, c'est français, du coup. Ah, mais là, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais ça fait très longtemps que je suis pas allé au ciné. Savoir que j'ai brain parce que j'ai vraiment la ref. Je sais que sur pâté, il y a vraiment. Un coq. Voilà. J'ai vraiment la rêve. J'ai brain. Alors. Déjà. Bien joué. Pâté. Le coq. Pâté. En
pâté. Est-ce qu'il veut aussi dire pâté dans le sens pâté de viande? Crème de pâté, oui. Mais qu'il l'a écrit comme ça parce qu'il voulait aussi nous faire penser au cinéma. C'est peut-être ça aussi, non? Peut-être qu'il... Parce que sinon, il aurait fait deviner cinéma, non? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il aurait dit pâté? Bah peut-être pour le coq, parce que tu dis cinéma, tu penses pas au coq, tu vois. Bon, après, ouais... Je suis quasiment sûr de mon coup. Eh bien, vas-y alors, si tu es sûr de ton coup. Et puis, du coup, est-ce que après, vu que c'est... Est-ce qu'on parle de franchise dans le cinéma, du coup, pour une marque? Franchement, J'ai envie d'y croire, hein, mais je sais pas. Je sais pas... Bah, en vrai, je parle à vous, hein, les fleurs. En vrai... Ouais. Pâté, c'est une franchise. Ils rachètent des cinémas et ce sont des franchises. Non, pas du tout. Coq, effectivement, le Cinecoq. Waouh. Bravo. J'ai essayé de brain en disant j'ai pas la rêve du coq alors que je l'avais. Mais, Pareil, j'ai rien dit, mais. Salaud. Ah, j'ai pas du tout la rêve. Ok. Ah, tu tapes. Ah, non, le fais pas du coup. Mais... Franchise, ça me semble ok. Est-ce que je rate un truc? Instrument... Il a dit pâté écrit comme ça, donc je pense... La reine du pâté, une fête savoyarde. En fait, oui, est-ce qu'il a écrit comme ça uniquement pour nous faire penser au cinéma pâté? Non, ou est-ce qu'il y a une connotation animale, pour ne pas dire culinaire? Complètement. Parce que je... Vraiment, mon truc de la franchise, t'y crois pas non plus Si, vas-y, je t'en prie. Oh là là, j'ai assumé littéralement tout ce round. Je te laisse le prochain. Je te suis sur ce move. Je clique sur franchise. Ah, c'est toi qui. Vas-y. Comme ça, c'est un move. Partons là-dessus. Franchement, gros GG. Bravo. Ouais, gros GG. Ouais, énorme. Bravo, tu m'as carré là. J'ai pas pensé pas à ça. Si, on est là. On est là. Très propre. Comme quoi, regarder des vieux films de merde au cinéma. Tu sais que c'est un des trucs qui me manque le plus alors que j'y vais jamais. Enfin, rarement, ouais. Ça me manque de pas y aller juste parce qu'on peut pas, quoi. C'est insupportable. Et oui. Un petit ciné, là. Petit ciné, en vrai, ça passerait. En effet, le logo de pâté, c'est un coq. Ouais, c'est un coq. Avec une bulle, avec marqué pâté. Quelque chose, quand j'ai vu le coq, il tourne sur lui-même. Et c'est assez rigolo dans le sens où, le seul cinéma que j'ai à Nice, c'est un cinéma pâté et que j'ai jamais capté. Pas la ref, quoi. Ouais. Mais c'est effectivement une franchise. Ils rachètent des cinémas, etc. Ok. Ah, la franchise, oui. Et oui. Bien sûr, en fait, j'avais pas compris ça comme ça. Comme lunatique. Gaumont, moi, j'avais pensé que tu parlais des franchises de films. Oui, Gaumont pâté, oui. Mais et non pas des franchises. Oui, oui, bien sûr, c'est des cinémas en franchise. Après, ça marche aussi en tant que franchise de films pour le coup. Bah oui, c'est vrai, moins, c'est mais. Bon, bah, nice, le pâté Lincostière, quoi, RPZ. Nice. Hein? Alors, mes petits chatons. Encore, c'est tellement immonde. En 3. Oui. L'indice est un cake. D'accord, mamie. D'accord. Un cake. Tellement pas envie de le bouffer, ce cake. Oh non. Ouais. Bon, du coup, le crème, je pense aussi. Ouais. En fait, le crème, je le pense à... Avant, je pense que c'était crème d'ail. Ou, tu vois. Du coup, à mon avis, il faut le valider en dernier, genre en dernier choix. On peut clutch un 4, tu vois. Non ouais, mais, peut-être, ouais. Mais le problème, oui. De toute façon, pour l'instant, cherchons des idées. On verra dans quel ordre on fait après. Oui, j'avoue, je m'emballe un petit peu. Mais je sais pas du tout, cake, qu'est-ce qu'il y a d'autre Une roulette à cake. Non, ça se dit pas trop, ça. Une roulette à cake. Cake de gauche. Pas spécialement. Un peu cake fade. De gauche. Beaucoup de farine. La chance d'un cake. Du cake au cheval. Hein. La piste au cake, la fameuse course de Mario Kart. C'est ma préférée. Un instrument à cake. La fameuse trompette. Un cri cake. Faut pas oublier aussi. Un cri cake. Qu'il nous avait dit aïe en 3 et on en a trouvé un. Complètement. C'est pour ça que je te parlais Je replace mon petit jardin. Ouais, je replace le jardin, je suis d'accord. J'ai pensé à la même chose instantanément. Parce que nous, nos mots de base sur Eye, c'était donc celui qu'on a trouvé, vampire, et puis après, c'était poil, crème, jardin. Donc à mon avis, il y a crème et jardin, tu vois. Ouais. Après, est-ce qu'il nous a dit 3 en incluant les deux? Non, je pense pas. Tu penses? Bah ouais, mais là, attends, cake, y'a rien, mec. Est-ce qu'il y a un truc, genre, un truc en rapport avec Rennes? Y'a pas un... Un cake à la Rennes?
Ouais, non, mais un truc comme ça qui sonne un peu un style de cake ou un style de pâtisserie ou quoi qui sonne un peu reine ou queen quelque chose. Ou, le queen genre, cake. Le cake royal. Tu vois, et voilà, t'es un truc comme ça, un truc royal ou je ne sais quoi, tu vois, un truc dans ce style-là. Non, ça me dit rien. Non, on voit, ça me dit rien. Après, il y a... Ah, attends. Cake. Le front, si t'as une tronche de cake. Ah, en vrai, ce serait fou, non. Non, en vrai, par contre, cake, ça sonne mot anglicisé. Ouais. Et donc, Amérique. Criquet. Je sais pas. Non, Amérique. Ou la reine d'Angleterre. Oula, j'étais pas dessus. Oula, j'étais pas dessus. Oh, non, je pense pas. Non, c'est... Ah ouais. Tu penses, ouais. C'est en... Je sais pas. Pourquoi il a dit cake et pas un mot plus genre gâteau, parce que... tu vois. Enfin, plus... Ah. Tu vois, pâtisserie ou ce genre de truc, tu vois. Pourquoi... Tu vois, j'en sais rien. Je sais... Cake... pourquoi il aurait dit cake plutôt que, ouais, gâteau. Parce que oui, gâteau, il y aurait eu crème car, tu vois. Voilà, tu vois. C'est vrai. Cake. Bon, tu veux tenter quoi en premier? Bon, déjà, car on le valide. Allez, vas-y. Ok. Mm-hmm. Ensuite... Magnifique. Mm-hmm. Je serais chaud. Ensuite, moi, je pense que crème... crème, vrai, c'est validé, plus... c'est sûr. Ouais, vas-y. Ok. Là, ça devient compliqué, là. Et il n'y a pas une chance avec le cake? Ça veut dire quoi, ça, une chance avec le cake? Je sais pas, une chance de cake ou... le cake à quatre feuilles. Une chance de cake. Je sais pas, bah... Qui n'a jamais rêvé non, d'être un cake le temps d'un instant, j'en sais rien, je sais pas. Mais trop la chance, en plus, quoi. T'as une tellement chance de chance que tu tombes par hasard sur un cake dans la rue quand tu marches, Non, je ne pense pas, non. Mais, incroyable. Tout est possible, tout est réalisable. Voltaire. C'est pas portugais, le cake. Portugais, le cake. Non, mais en fait, cake, ça veut rien dire. T'as... Aïe, putain, je me suis fait mal à l'ongle. T'as le cake aux olives, t'as le... T'as... Ça va, pense. Ouais, ça va, merci beaucoup. Feuilles. T'as le... Non, mais tu vois, le cake, ça veut rien... Ça veut tout et rien dire. Jouer. Non, mais bah, let's go. Putain, on avait dit quoi? Ah oui, jardin et Amérique. Alors, jardin, pour moi, ça n'a aucun rapport avec le cake, mais l'ail. Ça pousse pas dans les jardins. Mais l'ail. Mais l'ail, oui. Pardieu. Qu'est-ce que tu veux faire en premier? On a alors, que deux choix, de toute façon. Moi, ce que je te propose, c'est valider un jardin. Allez, vas-y, au pire, tant pis. Hein. Cake à l'ail, the cake is the lie. Okay. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on tente le petit speedrun... le cake is the lie. Le petit mot bonus avec Amérique ou pas? L'Amérique, tu veux l'avoir, tu l'auras. En fait... Pense. Allez, je te... Attends. Réfléchissons, Antarctique, les bons cakes d'Antarctique. La reine bataille. Un bon cake de bataille. Une bataille de cakes. Un ensemble de cakes. J'ai des clics. Un ensemble de cakes. Portugal cake. Non, vas-y, go sur Amérique. Mais moi, je suis pas sûr du tout. Mais c'est vrai et que. Ouais, moi non plus. Ça se trouve, il a juste mis ça et c'est un hasard que ce soit un mot qui soit un petit peu anglophone. Tu vois, on en sait rien, c'est ça le problème. Bah, au pire, tant pis, vas-y, le tout pour le tout. Vas-y, YOLO. Faut que la partie aille vite de toute façon, donc let's go. YOLO. Enfin. Ah là là. Ok. C'est évident, le cake, c'est un mot américain. Bravo. Ouais, mais c'est tellement utilisé partout cake. Que je sais. Oui, my bad, pardon. Mais du coup, attends. Car crème. Jean Castex. Mais du coup, c'était jardin, aïe, c'est sûr. Nous t'écoutons, Jean Castex. C'est pour nous permettre de faire les deux d'un coup, enfin les quatre d'un coup. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis trois. Franchement, bien joué sur le okay, Amérique parce que j'étais pas. Jean j'arrive, mais oh non. Renaud. Jean Castex est demandé à l'accueil du putain, magasin. Putain, trois. Ouais. Cravache. Ok. Cheval. On a donc le cheval, ça c'est sûr, c'est vraiment génial. Je pense pas. Honnêtement, à mon avis, c'est un bait. Ah ouais. Bon. Non, ouais, j'avoue. Roulette alors. Oui. Beaucoup plus. Alors par contre, je t'avoue, je suis pas très calé. Je sais que ça concerne le cheval. Mais moi non plus. Bah oui. Mais alors, du coup, une cravache, c'est quoi exactement? C'est genre un truc qui frappe le cheval? Frappe. Non, en gros, la cravache, c'est ce qu'utilise la personne qui le coureur pour tapoter derrière sur les entre guillemets les fesses, le haut des cuisses du cheval. Non mais ça va. Mais arrête de les aider. Et en gros, ok. Tu es vraiment mauvais joueur. Ok. Bon, tranquille. Bon, déjà, c'est sûr, il y a cheval. Ouais. Voilà, regarde, maintenant il galère, là c'est parfait. Après, c'est vachement utilisé en cuisine, cravache aussi pour le coup. Ouais.
je pense. Mais c'est ouais. hyper dur, cravache. Attends, cravache. En 3. Cheval. Piste, dans le sens où tu ouais. fais du cheval sur une piste. Je sais pas en fait. Je sais pas, j'ai jamais fait de cheval. Je dirais rien. Est-ce que ça s'utilise ? Est-ce que c'est un truc qui peut s'utiliser genre dans le sport, genre le cricket ou pas ? Le Antoine, cricket, t'as choisi les deux mauvais. Mais c'est pas du polo. Ouais. C'est un instrument, une cravache. C'est pas de musique, mais un. C'est pas un instrument. C'est pas c'est un truc assez aussi la cravache, genre un instrument de torture. Oui. Là, sur le site porno tout à l'heure dont on parlait là. Pas forcément de la torture, mais ça peut être apparenté à du BDSM ou ce genre de pratique, oui, tout à fait. Bien calé sur le sujet. En vrai, ouais, instrument, pourquoi pas. Le reste, vous m'entendez ? Tout à fait, on t'entend. Coup de cravache. Oh putain. Ouh. Ça fait des cris random, très bien. Est-ce que ça ferait partie d'un ensemble ? Calme-toi. Détends-toi. Tout va bien se passer, mon chaton. Est-ce qu'on part à instrument, Ultia ? Bah... oui, après, je sais pas, soit ça, soit... piste. Ouais. Après, on peut faire instrument-piste, au pire. Allez. Instrument. Okay. Oh, magnifique, oh là là, sublime, là là. Sublime. Oh, attends, le reste. Bravo. Parce que piste, parce que c'est vrai que le cheval, si tu utilises la cravache, c'est le cheval, cheval t'en fais un peu sur genre des pistes, quoi, ouais, ouais, au final. Pas trop sur l'Antarctique, en général. Et oui, là, cheval... Je serais étonné. Bataille, piste. Oh, je vois pas, chance, je vois pas. La chance de la cravache, ouais. À part ça, franchement, il n'y a aucun mot qui me font penser à un cheval. Hein. Franchement, non plus. Donc, bah après, l'indice, c'est pas cheval. Une cravache, oui, pardon. Mais... Pardon, c'est vrai. Non, mais en vrai, je suis prêt à tuer sur le piste aussi, du coup. Oh c'est vrai, je viens de réaliser que c'est pas cheval, c'est cravache. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas genre fer... C'est juste qu'il faut qu'on se magne, en fait. Je mets la vidéo qui sort dans un instant. Eh bien, partons sur piste. Oh, ouais, allez, let's go. Allez. Ouais, c'est loose. Mmh. Ah ouais ? Ouais, je pense qu'ils vont l'avoir derrière. Je cherche un truc, mais... C'est de la faute c'est... de Ponce, il joue pour l'équipe d'en face. J'ai eu le tir, j'ai fait quoi ? Tu leur as expliqué la définition du Larousse de tous les mots, c'est dégueulasse. Putain, mais regarde, le gars il veut tricher autour d'avant en mode « Et si je dis M ?» et après derrière il chiale. Moi je suis pas là pour jouer et m'amuser, je suis là pour gagner, ok. T'es là pour casser les couilles, ouais. Voilà. Excusez-moi, désolé. Pardon. Mais en plus, Ponce il s'excuse, quoi. Désolé, je suis... Ouais. T'as ruiné la game. Mais non... Putain, mais le pire mate. C'est horrible. Sardoche sur Codenames. Et surtout que cheval, piste, instrument, avec mon explication ou sans, je pense que vous l'aviez, non ? Enfin, ça n'a rien changé. Non ? Invendable. Ouais, mais oui, bien sûr, on se doutait déjà de ce que c'était. Ouais. Merci de me rassurer. Mais oui, t'inquiète. Merci beaucoup. T'es un frère, Ponce, t'es un frère. Je merci. Rigole, hein, Ponce. Hein. Mais je sais. L'ambiance est déjà délétère. Non, tu rigoles pas, JD, non, tu rigoles pas. Mais si. Je l'aime bien, Ponce, des fois. Je suis là, hein. Tu es viré de Ponce, la Switch JD, tu entends ? Non, pas ça. Je vous entends, je suis là. Ah ouais, non, putain, Ah, c'est atroce ! Non, j'essaie de trouver un 4, mais je vois absolument pas comment on va le faire. Beaucoup trop de choses. Et je sais qu'Antoine va vous le faire en 2. Ok. Restons calmes. Quel suspense. Ah non mais c'est... Oh là là.
Ok, on va faire... Non, attendez... Ah, au secours. Mais non, c'est juste que je... Tu penses sûr. Un peu sûr. Peut-être tu pourrais décaler ta vidéo genre dans 2-3 semaines. Non, pas trop, ça fait pas. Bon, en vrai, si tu fais ça. En vrai, moi, dans 2-3 semaines, c'est mon anniversaire. Tu peux la sortir plutôt au moment de mon anniversaire. C'est vrai, t'es né le combien? Je suis né le 10 janvier. Let's go. 3 de te le souhaiter, bro. Let's go, on va le noter. Ok, de toute façon, vu que c'est invisible, je vais tenter un truc. Ok, alors. Alors. En 4, l'indice est colonie. Ah. Mmh. Colonie. Est-ce que le Portugal, oui, c'est ce que j'allais me demander, est-ce que le Portugal... Alors j'ai pas de connaissances accrues dans tout ça, mais au Brésil, il parle portugais, quoi. Moi, l'histoire, enfin mes connaissances en histoire commencent en 2005 à peu près. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais quand même au Brésil, il parle portugais, quoi. Je sais rien. Et après, t'avais... Attends, mais ne pensons pas qu'à colonie, on peut penser aussi à la colonie. Tu sais quand tu pars, quand tu as 13 ans et que tu pars. Colonie de vacances. Ouais, une colonie de vacances, tout à fait. Séjour, par exemple. Là, c'est un séjour. Tout à fait. Je suis d'accord. Je vois pas trop ce qu'il y aurait d'autre de toute façon. Les gens qui partent en colonie de vacances ont de la chance de le faire. Ouais, c'est un peu, je sais pas. Il voit des criquets. Non, je suis pas très chaud non plus. Les colonies, c'est pas de gauche. Hein. Enfin, si, c'est... Ah, putain, si. Ouais, les colonies de vacances, c'est de gauche, mais la colonisation, c'est de droite. C'est complexe, ça se... Aïe. Les colonies de vacances, c'est de gauche. Des propos polémiques. Pavé jeté dans la mare. Non, en vrai, viens, on valide. Est-ce qu'Antarctique, c'est la douce ? Antarctique, je crois que c'est encore. Je sais pas, c'est pas. C'est flou, c'est très flou, très flou, très flou, très flou. Bon, vas-y, bataille, tu veux faire bataille ? Allez, let's go, bataille, voilà. Ensuite, ok. Portugal ou pas Portugal ? Je sais pas. Parce que Portugal en lui-même n'est pas une colonie, tu vois. Pour lunatique, faut vraiment qu'on se grouille. Je suis gêné, oui. Ok. On va dire Antarctique, en vrai, je pense qu'il l'a mis parce que c'est un truc. Enfin, j'en sais rien. Vas-y, séjour, on tente séjour. Une colonie, tu pars en colonie, tu pars en séjour, bah... Ouais, allez, let's go. Ouais, on peut tenter. Ok propre, ok, très propre. Moi, je dirais vraiment, les deux qu'on a mis, c'est ceux qui me paraissent le plus probables. La reine elle-même, non, le Louvre. Et moi, je pense pas. Criquet, chance, ensemble, front... Ah, le front, tu vois, après, il y a toujours aller sur le front, mais c'est pas trop... Ça fait pas une référence directe aux guerres, les colonies. Ouais, mais tu vois, faut penser au double tranchant de colonie. Il y a quand même le séjour qui est passé. Hein. Oui, mais d'accord, mais il y a quoi d'autre qui marche dans... Ensemble, genre on va ensemble... En vrai, oui, ensemble. Et sans déconner, je rigolais, mais chance, c'est quand même une chance de faire des colonies. Hein. Ça, par contre, j'enlève ça, moi, ah ouais, je pense pas. Mais donc, il aime vraiment la chance, Ponce. Tu veux qu'on tente ensemble ? Ensemble. Vous le faites ensemble ? En vrai, on est ensemble quand on va en... En colonie. Ouais, ouais, on ramène la coupe à la maison. T'y crois pas du tout? Non, mais tu crois à quoi? Bah, en fait, il croit en sa chance, je crois. Ça, j'ai remarqué. Ouais, vas-y, bon, vas-y ensemble. Mais tu vois, il faut. Jésus, c'est chaud. Bah, j'en sais rien, bah, franchement, je sais pas. Je me rappelle qu'il y a 1800 euros à gagner là. En fait, le truc, c'est que vu qu'il y a séjour pour colonie, ça nous confirme le truc de. Faut pas focus sur la colonie de type la colonisation, etc. Tu vois, je pense. Oui, mais sauf si c'est, tu sais, les gens à l'époque
à l'époque qui était là. Je vais en séjour dans l'une de nos colonies françaises. Mais oui, mais le Portugal n'a jamais. Enfin, je sais pas, mais c'est pas une colonie. Le Portugal, ça a colonisé, mais c'est pas une colonie, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et encore, ça a colonisé, encore une fois, on n'en sait rien. Si, mais tu sais. La visée est très large, à mon avis. Hein. Bon, l'Antarctique, j'en sais rien. Vas-y, faut voter là. Parce que, Go ensemble. Et au pire, Ok. Mais non. Non, c'était sérieux. Ok. Et le dernier, Antarctique ou Portugal. Ou rien d'autre. Ou alors gauche, mais ce serait vraiment ouf. Quoi ? Moi, je dirais plus Antarctique quand même, mais. Non, on l'a pas. Enfin, non, mais pourquoi Antarctique ? Allez, à 3. Non, attends. 2. Il y en a qu'un seul là qui manque. Roulette. Putain, non. Mais déjà, le fait que ce soit ensemble, j'en reviens pas, du coup, ça me déstabilise. Mais si, parce que la colonie, c'est un séjour que tu fais ensemble. Tu vois. Oui, enfin. Oui, ouais. C'est encore une fois, du coup, c'est une chance de le faire. Tu vois, où tu y vois des criquets. Dans ce cas-là, tu pars en colonie de vacances. Tu peux partir en colonie de vacances au Portugal, mais tu vas pas partir en colonie de vacances. Que tu pars des colonies de vacances pour moi. En vrai, ça se tient. Ce que je viens de dire. Ouais. De quoi, t'as dit quoi? J'ai dit, tu peux partir en colonie de vacances au Portugal, mais pas en Antarctique, et donc Portugal, et let's go. Bah vas-y, on tente le Portos alors. Oh non! Bon, allez, vas-y, Antoine, régale-nous. Antoine, c'est le moment. Il nous reste que 4 minutes. Oh merde. Non mais il reste pas 4 minutes, en vrai, je pense que c'est speedrun. Ça va être très facile. C'est de pire en pire. Le mot en 1 est le suivant. Il a ses chances. Il va mourir. Tout simplement. National. Quoi? Front. Ah oui, le front. C'est... Allez, c'est bon. Et allez. Incroyable. C'était la chance qui avait eu la vision. Putain, c'était la chance, Tu avais vraiment compris, effectivement. Attends, c'était vraiment ça. C'était vraiment la chance de partir en colonie. Vu que tout était incompatible, j'ai pris le risque de faire... J'ai pris le risque de faire colonie alors que, oui, il y avait Rennes, Portugal et que c'était l'enfer. Et bataille, je pensais bataille de Polochon. Mais à partir du moment où t'as, vous avez débloqué séjour et ensemble, je me suis dit alors peut-être. Et il y avait. Alors, je suis trop content que. Non mais je comprends. Je suis trop content que vous ayez eu Portugal parce qu'en fait, je comptais faire en deux nationales avec du coup front et Portugal. On en avait parlé avant la game en plus. Rennes qui était le mot noir me faisait peur aussi. Mais il y a mec, il y aurait eu Louvre national parce qu'on est en France et du coup, il y a Louvre aussi en plus. Mais bien joué. Alors, je suis désolé, Ponce, de pas t'avoir fait confiance sur chance. En même temps, non mais mec, tu peux pas. C'était tendu. C'était tellement tendu. Il les avait eu quoi. Vraiment navré. En tout cas, bien joué. Belle partie. Je suis vraiment désolé d'avoir dû être relou sur la fin comme ça. Y a pas de soucis, t'inquiète. C'est un scandale. En plus, j'aurais joué de ouf plus longtemps. Mais là, il faut vraiment que j'aille m'occuper de ça. Il y a la vidéo qui sort en 3 minutes. Il n'y a aucun problème. Le dernier épisode. Merci beaucoup, Lunatique. Des gros bisous. Merci pour à vous. Game. Merci beaucoup. C'était trop cool. Et le site est trop bien d'ailleurs. Bisous, ouais. Oui, il est vraiment trop cool. Codenames.games. Nice. Ah oui, il faut qu'on fasse gagner les jeux, c'est vrai. Oui, exact. Je vais m'envoler juste avant. Et l'éditeur, du coup, c'est. Yellow Games. IE2LO. Yes. Tout simplement. Et moi je vais m'envoler et juste avant, je vous fais des gros bisous, merci à vous. Gros bisous. Si jamais vous voulez partager la petite vidéo, ça fait plaisir, mais vous n'êtes pas obligé de tout. File le lien sur Discord, file le lien. Moi je me file. Balance le lien au cas où. Ok, bisous, merci beaucoup encore. Bisous, ciao, ciao. Salut. À ce soir pour celles et ceux qui te retrouvent. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Ah bah parfait. Je vous dis, le tirage au sort a été effectué chez moi. Ah déjà? Ouais. Sur Discord, en fait. Attends, je vais juste vous mute vite fait. Faut que je prenne les adresses. Moi, je vais aller le faire tranquille sur Moubot. Moi aussi, je vais le faire pareil sur Discord. Merci pour les games, en tout cas, c'était très très cool. Merci beaucoup. Ah, sweet, trop marrant. Bisous. Ouais, c'était trop marrant, des bisous. Bisous. À ce soir pour JD et Antoine et Ponce. Ça roule. Tout. Bonne soirée. Enfin, bonne fin d'après-midi. Bonne après-midi, quoi. Hop là, ça sert à rien de spammer jeux. Attendez, je passe en émotonie. Ça sert à rien de spammer jeux. Attendez, on va faire le truc sur Moubot. Ça ne sert à rien. Je sais pas pourquoi vous êtes mis à spammer jeux. Il y a aucun moment où il faut spammer jeux. Non, pour jouer. Donc, on va partir sur giveaway. Un petit giveaway, ça va faire très plaisir. Donc on le rappelle, en fait, pour l'histo, parce que l'histo est assez sympa au final. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait Codename.
On a joué à Codename déjà avec, avec la même bande il y a genre 10 jours, je sais pas si vous en rappelez. Et ce qui s'était passé, c'est qu'on l'avait joué sur Tabletop Simulator, qui est un jeu sur Steam sur lequel tu peux faire tous les jeux que tu veux en modant des choses, tous les jeux de société que tu veux. Et donc, on avait joué à Codenames, qui était en fait un mode non officiel. Et ce qui s'est passé, c'est que les créateurs de Codenames nous ont envoyé un message pour nous dire écoutez, vous avez joué sur une version non officielle, c'est pas grave du tout, mais nous, on a un site qui marche vraiment. Donc ça, c'est le site qu'on vous a donné, qui est donc codenames.game, voilà, tout simplement. Et ils nous ont dit, bah d'ailleurs, si vous en refaites, nous, on peut faire gagner des jeux si vous voulez, etc. Il y a donc deux jeux à gagner Codenames classique et un jeu Codenames image à gagner. Donc, ça va être très simple. On va créer un giveaway, messieurs, dames. Donc déjà, merci à eux. Merci à eux pour ça, c'est hyper gentil. Les abonnés ont toujours deux fois plus de chances de gagner. Merci d'ailleurs Lorenzo pour le 10e mois, merci beaucoup. Et le mot, ce sera chance, parce qu'il faut en avoir et parce que j'ai failli clutch. Ah, je suis deg de pas avoir pu insister, mais en même temps je peux pas deviner, enfin étant moi-même absolument pas sûr, c'est impossible. Le mot sera donc chance. Nous allons partir sur le jeu, messieurs dames. Je crée le giveaway. Merci Rainbow Couleur pour le 9e mois. Merci aussi SNK7 pour le Prime. Merci beaucoup. Sachez que les code names, vous pouvez les trouver dans plein de magasins, etc. Hop, il y a juste à écrire chance dans le chat. Je ferai 3 tirages ensuite. Hop là, vous pouvez les faire. Merci beaucoup pour votre soutien, les fleurs. Et j'espère que vous avez kiffé parce que le jeu est trop bien. Enfin, moi je trouve ça trop cool avec cette équipe. C'est trop bien.